lui s'aime beaucoup. Ah oui, il s'adore. Lui, il a un problème de... Mais... Je ne sais plus comment on dit, de surestime voilà, oui, de soi. Bah, surestime de soi. On commence avec une question. Oui, une question pour vous, Xavier. Bah, on se connaît un petit c'est peu. Pas s'aimer, c'est pas s'aimer hein, d'être en surestime de soi. Pardon. Ah bon, c'est quoi ouais, là allez, ah oui, non. C'est trop allez, s'aimer. Bah oui, ça sert à rien. Il s'aime trop. Mais c'est, bah non, c'est faux, on se connaît peu. Elle peut paraître intime, cette question, Xavier, mais est-ce que vous avez un piercing au téton? Téton gauche? Absolument pas. Parce que j'ai regardé une interview que vous avez accordée à Sud Radio. D'accord. J'ai l'impression... Vous avez ah passé oui. l'entretien ah à chercher oui. ce piercing. Mais ça, c'est un. Mais non. Mais il est où? Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, mais... c'est nul. Ah, bah, il était là. Oui, mais maintenant, on est filmé à la radio. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. La radio, c'est bien. Ça grattait le pull, c'est qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pull. Ah, oui, c'est pas. Oui, bon, voilà. Non, mais Xavier, vous êtes, je le dis, vous êtes un peu agaçant. Parce que vous avez tout pour vous. Physique de Mister France, rigueur journalistique, plume prolifique, cavalier hors pair, et comme si ça ne suffisait pas, vous avez ce que Babette appelle une voix de slip. C'est ce mais que Xavier vous est au courant. Oui, mais je sais que Xavier est au courant, parce que vous lui aviez dit la dernière fois un timbre grave et suave qui rend les dimanches soirs moins lourds. Et c'est vrai que si vous n'aviez pas cette voix, 66 minutes n'aurait pas la même saveur. Voilà. Bonsoir et bienvenue à tous en 66 minutes. Ne ratez pas tout à l'heure notre grand format ce soir direction Monaco, et oui. Ce serait pas la même chose. Non. C'est ma voix, oui, oui. Alors, ce soir, je m'adresse à tous vos confrères, Xavier, dont je fais partie, qui sont jaloux de votre voix. Sachez qu'une solution existe. La demoulite, des comprimés à base d'extrait de gitane sans filtre et de testostérone de synthèse. Dès son absorption, la demoulite agit sur les cordes vocales et transforme votre voix de chiotte en voix de slip. Demoulite, buvez, séduisez. Et figurez-vous que sur le dark web, j'ai réussi à m'en procurer. Je vais donc tester tout de suite si ça marche. Oh là là, en direct, vous êtes fous. Bonsoir et bienvenue dans Slip. Dans un instant, la suite de cette chronique Babette. Mais d'abord... Ouais, non. Et le souci, en plus, c'est que ça ne dure que 10 secondes. Oui, c'est vrai, c'est bon. Arrêtez. Oui, ça ne dure que 10 secondes, ouais. C'est vendredi, ça va. Oui, je reviens à 66 minutes, c'est plus important. Dimanche, vous vous intéressez... Oui, petit frisson, là. Non, vous vous intéressez à ces Français... Franchement, mais alors... C'est si, et c'était pas la clim. Des Français qui, pour profiter des restos pendant la pandémie, se rendent à Monaco. Parmi eux, ces deux jeunes femmes, dont l'une d'elles, je le soupçonne, s'est fait arnaquer. Petits amuse-bouches et cocktail de bienvenue. Alors, je suis pas spécialiste et je sais pas combien elle a payé ça, mais c'est pas un cocktail de bienvenue, ça. Ça, c'est un pot d'olive géante avec une paille. Pardon, et je le sais parce que je suis... Pour retrouver la vie d'avant, on est prêt à tout. Hein. Ah bah, je vous le confirme. Et ça, je l'ai vu parce que je suis fan d'enquête, particulièrement celle de TMC. 90 minutes enquête qui propose à chaque fois des reportages avec un point commun, des titres qui tiennent en trois mots à chaque fois. Soleil, drogue et accident, un été sous haute tension. Drogue, alcool et course-poursuite, le quotidien à haute vitesse des gendarmes ch'tis. Cambriolage, bagarre, accident, alerte maximum pour les gendarmes de Montpellier. Et après 158 numéros passés à suivre les gendarmes de toute la France, on pourrait imaginer qu'ils sont à court de sujets en trois mots. Eh bien, c'est mal les connaître. Le 19 janvier prochain, 90 minutes enquête proposera tacos, couscous, pokéball, les secrets de nos plats exotiques préférés. Une enquête qui s'annonce haletante. Et ils vont tenir 90 minutes là-dessus. J'ai hâte de voir. Pour terminer, on part au Québec. Oui, là tout de suite, là. Parce que, ah bah oui. Non, il faut aller à Roissy, il y a l'embarquement. Il y a excellent. Un test PCR. Allez, direction le Québec, à la découverte de mon émission préférée. Toujours près de moi. La victoire de l'amour, une émission religieuse et musicale, sorte de mix entre le jour du Seigneur et la chanson chanson. On adore, chaque semaine des artistes s'y produisent. Parmi eux, mon chouchou, c'est ce monsieur qui a choisi d'interpréter un titre avec l'intro la plus longue du monde. Et vous savez quoi, Babette? Il est de retour. Pour notre plus grand bonheur, et Epiphanie oblige, il a choisi d'interpréter les Rois Mages de Sheila, mais pas n'importe quelle version, la 7 minutes, l'extended mix, avec l'intro la plus longue, là encore, et il est toujours aussi à l'aise. Là, on n'a plus le temps. Être là.
Allez, voilà, voilà. Comment s'appelle cette émission? La victoire de l'amour. Oh, la victoire de l'amour. Merci, cher Bertrand. On ne sait pas s'il chante bien ou pas. Si, je vous le confirme, il chante bien. Vous nous montrerez un jour chantant? D'accord. Peut-être. Ok, merci, cher Bertrand. Babette a demandé les pilules pour l'émission de lundi. Mais voudrait, Jean Castex. Oui, pour une autre. Je l'offrirai. Non, pour toi. On va oublier ce médicament acheté sur le Darknet.